des pays du Cotentin. Il se dispute depuis hier au large de Cherbourg et possède cette particularité de n'accepter que les catamarans légers et très sportifs de 16 à 20 pieds de long, environ 7 mètres. Une course qui attire désormais des équipages de tout le Grand Ouest. Embarquement avec Aurélien Chopin et Guy Mildrog. Il a commencé par la planche et le speed sail, mais ce sont des choses qui arrivent. Dominique est tombé amoureux de Yannick. Du coup, oubliez les plaisirs solitaires. Le catamaran, c'est un peu comme la vie. Ça se pilote à deux. C'est vraiment un plus d'être un couple ? Je sais pas. En tout cas, c'est un plus dans un couple. 62 skippers et 31 catamarans au départ. Ceux-là, ce sont les F-18 les plus rapides, à condition bien sûr que la météo les aide un peu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, à une heure du départ? Qu'il y ait du vent et puis que le temps se maintienne comme ça. Parce que bon, hier on n'a pas été très gâté par le temps, mais aujourd'hui ça va être, on a l'impression que c'est le contraire. Il y a du soleil, il y a du vent, donc on va partir au près jusqu'à Montville, hein, vers la communauté des communes de Lague. Donc voilà, du beau temps. Du beau temps et un vent d'ouest dans les voiles force 3, des pointes à 10, 15 nœuds, bref, rien que du bonheur. Le trophée du Cotentin dure deux jours. Hier, le duo Salé-Berthaud avait 15 minutes d'avance sur les autres. Du coup, ils ont gagné la course, même si aujourd'hui, Thibaut et Jérémy sont arrivés les premiers. Je suis en train de chronométrer. On est seulement à 6 minutes. Mais on aura 10 minutes d'avance maximum. Mais bon, c'est déjà pas mal. Un peu moins bien pour Dominique et Yannick, ils ont fini 13e, mais après tout, l'amour, c'est quand même bien plus important qu'un trophée. C'est fou roulant sur leur drôle de machine, car on ne peut plus vraiment appeler cela un vélo, un deux roues sur lequel le pilote se tient couché. C'est la machine mise au point par trois élèves ingénieurs cherbourgeois et qui participera dans 8 jours à un trophée rassemblant d'autres inventeurs de la même trempe. Objectif affiché.